Eh, hey, Eugène, je me disais que le plus simple dans ce cas, ce serait de faire un peu tomber la route. Du genre, leur retirer le tapis sous les pieds. Tu pourrais pas l'exploser? Non, je veux pas risquer de tuer le porteur que je cherche. Je vais juste scier les supports et le poids du camion fera le reste. Et bim, blocage routier instantané. Ok, tu vois, c'est exactement pour ça que je suis fan. J'aimerais vraiment être là pour voir ça. Bah viens regarder. Mais bon, à une distance raisonnable quand même. Quand un porteur comme moi se met au boulot, les mortels dans ton genre sont priés de s'écarter. Ok, d'accord. Bon, réflexion faite, je crois que je vais rester à la maison. Je te rappelle si je dégote d'autres infos sur le convoi. Eugène, à quelle heure le convoi doit se pointer? Ce soir, sûrement. J'en suis pas vraiment sûr. T'es toujours sur la passerelle? Ouais, toujours là. Je me fais des potes dans la faune locale. J'ai pas l'impression que ça circule du tout là-haut. Ouais, ben, c'est parce qu'il est sous le contrôle du DUP. Ils l'ont fermé au civil. Alors, t'as fini avec les supports? Ouais, terminé. Je vais remonter et m'échauffer un peu avant de jouer à la barbichette avec le DUP. Bande de nazes. Eh, Eugène, donne-moi des infos. Je cherche quoi dans ce convoi? Je sais pas. Je sais qu'il déplace beaucoup de prisonniers, alors je cherche peut-être des bus. Wow! C'était quoi? Des hélicos? Un sacré paquet d'hélicos! Je crois pas qu'ils puissent me voir avec ces brouillards!